ko yili mo o se zili mu kaneje o hai a pala di ma pala di ke chimu di ma le ter mi te di ma a pala di ma kambu ora sa cosa li agumaga oju anu. Oh, click, click, and I will cross it. And I look for him. Hey, hey. Oh, yeah. I can't get any more. I'm going to pull a car. What do I call it? Not going to man. I don't get that. I'm going to go. I'm placing a job. Hey. Ziano mona nanu oi Agbala di ma hey omo nu otwa Obia ko yilimo O sakusa liogu magana Iko sagwea Oke kita so ngwele on my sinaja Mon roi Les dieux m'ont envoyé te rappeler Le festival de Dieu Qui est le festival de feu C'est le temps de festival Abalawan Je connais bien la coutume et la tradition de notre peuple. Je n'ai pas besoin que qui que ce soit me le rappelle. De toute façon, ton message est reçu. Oh bien, Koyilimo! Du feu sera bientôt organisé dans 7 jours ouvrables. Quiconque parmi les jeunes souhaitant faire partie du concours devrait se rassembler au palais du Igwe au coucher du soleil demain. J'espère que vous m'avez bien compris. Oh, je serai là. Je serai là. Je suis un homme. Je suis un homme. Et vous, quand même, mon ami. Otchadike, père, tu vois cet endroit? Cet endroit, ouais. Là-haut, se trouve l'arbre d'Ogiri. C'est ça la limite. Ouais, la limite. Je veux te faire savoir tout ceci, afin que tu n'entres pas dans le domaine d'une autre personne quand je ne serai plus. Ça va, ouais, père. Ça c'est ça va. Merci beaucoup, père. Je t'en prie. Merci beaucoup. Une chose de plus, père. Qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose à l'idée à te dire. Uh-huh. Tu sais, il faut beaucoup d'efforts pour être un chef guerrier dans ce royaume. Ouais. Je veux t'assurer aujourd'hui, père, que je ferai tout, ce qui est de la capacité humaine pour émerger chef guerrier de ce royaume. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon sang. Oh, j'aime ça. Tu as fait parler ton cœur. Merci, père. Bien. Merci beaucoup. Tu as bien parlé, parce que nous sommes des guerriers. Et le titre du chef guerrier vient toujours de notre famille.
Mais mon fils, je veux que tu comprennes que c'est une tâche difficile à accomplir par un mortel juste avec sa puissance ou sa volonté. Que veux-tu dire, père? Tout chasseur qui veut ou qui planifie de tuer un éléphant doit penser à comment ramener cet éléphant à la maison. C'est un voyage vers l'immortalité. Je ne te comprends toujours pas, père. Fils, c'est invisible de faire l'impossible. C'est une danse de l'esprit. Et cela demande de l'audace et le courage pour danser cette danse de l'esprit. Honnêtement, père, tu parles en énigme. Tes mots sont difficiles à comprendre. Fils, bientôt, tu comprendras. Je dis bien, tu comprendras. Père. Bientôt, mon fils, tu comprendras. Aïe. Mon épouse. Bonjour. Bonjour. Je vais bien. Comment vas-tu? Assieds-toi. Merci. Ma chère femme. Aïe. Tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle. Tu sais que je suis le plus grand guerrier. Moi, Okando, ton époux, je suis le plus grand guerrier de notre terre. Cela veut dire tout simplement que notre enfant, notre fils, ne peut jamais être un faible. Ce n'est pas possible. Il va embarquer pour le voyage. Oui, il va embarquer pour le voyage et je vais te dire que je vais te rassurer qu'il reviendra victorieux. Mais, Naï, et si les choses ne se passaient pas comme prévu? Et si un malheur lui arrivait? Tu sais que c'est notre enfant unique. Que la paix règne dans ton esprit. Laisse ton esprit en paix. Hein? Nos ancêtres le garderont. Ils l'accompagneront à la guerre et l'amèneront victorieux. Juste comme ils le faisaient pour son père. Naï, je crois... Je l'ai déjà dit et je ne veux plus le répéter. Essaie de comprendre ceci. Que ton esprit se tranquillise. Il ira et reviendra victorieux. Ok, Naï. Si tu l'as dit. Un chasseur qui est prêt à tuer un éléphant doit également être prêt à porter cet éléphant. J'espère que tu es préparé pour ça. Le sage. Je ne suis plus un enfant. Toute chose venant de l'esprit. Pige bien le chemin du vent. Je suis préparé. Je veux que tu saches que le festival du feu, c'est un voyage de la vie ou la mort. Et c'est également le voyage des esprits. Et c'est uniquement les esprits qui peuvent les ramener à la maison. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Oui. Et je veux que tu m'aides. La grande Agogidi. La grande divinité de notre époque. Je te salue. Je t'ai ramené à la maison. Parce que tu as fait assez pour moi. La plus grande
divinité de notre époque. Tu es maintenant avec moi. Et donc, que ta bonne volonté soit faite. Je n'ai aucun autre choix de ne pas te présenter mon fils aux autres membres de la famille. Et c'est ce que je fais maintenant. Odiadike, mon fils. Père. Aujourd'hui, je veux pleinement te présenter et t'initier à Abonigi, la grande divinité. Lave tes mains avec du sang pur. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains avec du sang pur. Mon fils, Odiadige, tu as lavé tes mains. Et cela signifie que toute partie de toi a été lavé. Tu es propre et puissant. Tu es totalement initié dans ceci. Et Abogidi continuera d'être avec toi. La plus grande divinité de notre époque continuera d'être avec toi. Ici. Tu seras plus grand que tout. Ici. De tes camarades, même ceux qui ne le sont pas. Tu seras, n'importe où tu mets tes pieds, tu seras le plus grand. Ici. Dans chaque domaine de la vie, personne ne te défiera. Ici. Parce que Abogidi sera toujours avec toi. Ici. Tout ce que tu dois à Abogidi est un engagement total dans chaque domaine. Tout ce que Abogidi veut que tu fasses, fais-le. Et assure-toi de le faire, même quand je ne serai pas là. Et tu raconteras à tes enfants l'histoire à propos de la puissance d'Abogidi. C'est ce que tu dois à Abogidi. Et n'oublie pas ton sacrifice annuel à Abogidi. En faisant cela, tu continueras à être grand. Ici. Lève-toi, mon fils. La plus grande divinité de notre époque, je suis encore là. J'ai fait les sacrifices, tous les sacrifices requis. Et je suis ici avec mon fils. Quoi d'autre? Tu as bien fait, mais il y a un problème. Quel problème? Ton Dieu étranger a été révélé à Babalawan en tant que prêtre du royaume. Qu'est-ce que dois-je faire? Tu iras jusqu'à Oremariba au coucher du soleil demain. Tu emporteras avec toi trois œufs et sept aliments différents. Tu les offriras aux dieux du royaume en les jetant dans la rivière. Et en faisant cela, Les yeux à Babalawan seront aveuglés. Elle sait qu'une divinité étrangère a été emmenée dans la terre. Mais le porteur de cet esprit, où il se trouve, elle n'en saura rien du tout. Une chose de plus, tu devras cela présenter immédiatement au sanctuaire pour fortification et passer ainsi une nuit avec grand Abogidi. De telle sorte que tu sois complet et prêt pour la chasse. Oh, merci, le grand Abogidi. Merci. Je le ferai ainsi. Tu n'es pas. Tu n'es de nos yeux. Angé, vous gagnez à nos goûts. La rivière
Père Oyama, je te charge. Je te charge d'accepter mon sacrifice. Agbogidi, la plus grande divinité de notre époque, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Et je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Ekeneme, Agbogidi, Ekeneme. La rivière de Ogorama, je te salue aussi. Les anciens. Igwe, quelque chose ne marche pas dans ce royaume. Quelque chose ne va pas dans notre communauté. J'ai vraiment un très grand regret. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? L'éclat du tonnerre de la nuit passée était trop. Ok. Il y a un, ça ne va pas. Igwe, je me rappelle. J'ai moi aussi entendu cela. Demandons à Agbarawan de nous expliquer cela. Obio Koyilimo! N'ayez plus peur, parce que je suis là. Abanawan, explique-nous ce qui s'est passé la nuit dernière. Une grande et puissante divinité est amenée dans notre communauté. Ewo? Hein? Tu as dit une divinité? Mon roi, la fin sera désastreuse. Mais je ne saurais pas dire cette famille qui a fait cette grande abomination. Alors, Abanawai, tu devras consulter encore plus. Fais-le parce que nous devons le savoir. Je l'ai fait. J'ai offert de sacrifices aux dieux. Mais les dieux ne m'ont rien révélé. Mais je sais que le dieu exposera la personne au moment opportun. Qu'est-ce que notre dieu Ugenoma ne peut pas faire dans ce royaume? Qui donnerait à qui que ce soit un prétexte de nous amener un dieu étranger dans cette terre? Demande. Pose cette question. Hein? Mais les dieux sont sages. Ils exposeront la personne au moment opportun. Exact. Garde! Oui, mon roi. Va dire à Ogene, l'annonceur du village, d'informer tous les jeunes hommes sélectionnés de venir au sanctuaire demain pour la fortification. Thank you.
peuple de Oumoudi. Le peuple de Oumoudi. Le roi a parlé. Tous les jeunes hommes choisis pour faire partie de ce concours sont tous attendus pour une rencontre au sanctuaire pour le nettoyage et la fortification. Le roi a parlé. Je le disais. N'est-ce pas que je le disais? Je le savais depuis longtemps. C'est bon, ça y est. Odia Koyilimo. Oziu nu dunyelu mukaneje. Akonu lu yelu naka yelegumo. Amu ba baladima. Agbaladima. Chinese, china balegu, chine jalozi. Odia Koyilimo. Otu akodi. What a clean agba sulugede. Oga mo na sulugede begu ndi mu. Hey! Abaladimma o. Kokwa lo ye bu na ka ni legu mo. Oze di elu kanneje. O klikri ka na agu kosi. Abarawaye. Fortifie-moi. S'il y a une personne parmi vous qui se reconnaît impure, que cette personne se dévoile, qu'elle s'expose elle-même avant d'entamer la dernière fortification. Ah, voilà dit. Je m'en suis dit, il y a le bien, quand il y a le mot. Ah, quand il y a le Motana ba sulugede begun mo oju akodi Ije ces gens. Aide-moi.
Ilo. On t'a dit que... Ilo. Oh, mon frère. Tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie, mon frère. Nous sommes encore en vie, mon frère. On t'a dit que... Je te touche encore. Je m'appelle Odjadike, fils de Okandu. Je suis un héros. Le grand petit-fils de Oshimiri. Odjadike. Je ne peux jamais mourir comme un poulet. Mon frère, je suis Ilo, le plus grand guerrier dans mon village. Personne ne peut me comparer. J'ai les 7 têtes. Eh ben, je l'ai moi aussi. C'est vrai. Mon frère. Je pense qu'il faut que je me repose. J'ai besoin de me reposer. Bien sûr, nous devons nous reposer. Repose-toi, mon frère. Ah, les dieux de mes terres. Merci aux dieux. Je suis le plus grand guerrier. Odjadike, je ferai tout pour devenir le chef guerrier de ce royaume. J'ai vendu mon âme au diable. Ilo, Ilo, pardonne-moi et repose en paix. Frère Obina, c'est de cette façon que tout s'est passé. Est-ce pour cette raison que je traversais tous ces problèmes? Voilà, maintenant que vous tous vous êtes ici, hein? Vous êtes ici, hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu me ferait une telle chose. Ça va aller, arrête de pleurer s'il te plaît. Mon fils, c'était fort. Ça va, mon cher. La dernière fois que nous sommes venus, nous avons parlé de ses projets pour l'avenir. Et avant qu'il ne dise quoi que ce soit, il est mort. Ça va, cesse de pleurer. Tu vas encore te faire du mal, s'il te plaît. Hein? Peu importe comment vous allez pleurer, il ne reviendra plus. Hein? On ne sait pas pourquoi la mort a décidé de l'emporter, mais soyez fort, s'il vous plaît. Vous avez vraiment besoin d'être fort. Je suis vraiment désolé pour votre perte. D'accord? Je suis d'accord avec vous. S'il te plaît, ma fille, cesse de pleurer. Hein? Ça va, pas là ta mère, s'il te plaît. Ça va. S'il vous plaît. Emeka, tu es mon fils. Emeka. Qu'est-ce qui est tout ceci maintenant? Emeka, bien mon fils. Ça va. Emeka, mon fils, tu es parti. Emeka. Ça va. Hey. Regardez ce que vous faites chez lui maintenant.
Ça va, s'il te plaît. Ça va. Cesse de pleurer, calme tes enfants aussi, s'il te plaît. Ce que tu fais là, c'est pas bien, s'il te plaît. Cesse de pleurer, s'il te plaît. Mazimaduka, mon cher ami. En fait, je suis ici pour te parler à propos de la tragédie qui frappe ta famille. Si je te dis que je suis content, j'ai menti. Tragédie? Comment? Je ne comprends pas. Mazimaduka, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le fait que le jour où ta fille est morte, la même période, le même mois, était exactement la même période et date que ton fils est mort. Et tu penses que c'est l'effet du hasard? Pensez-y, hein? Pensez-y, ce n'est pas du tout ordinaire. Les choses se passent dans cette vie. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Tu vois, la mort est quelque chose de naturel. Ça arrive et puis... tel que Shakespeare l'a dit, je pense que c'est naturel. Maduka, mon ami, c'est là où tu as tort. Il y a beaucoup de choses que les yeux ne peuvent pas voir. Ce que je suggère est que tu me suives pour qu'on aille à Amogwe pour voir le Dibia, pour savoir d'où viennent ces problèmes. Hein? Au moins pour chercher à connaître tes ennemis. Personne ne sait exactement à qui sera le tour. Et tu me dis que tu ne vois rien, que c'est une mort naturelle. Comment cela pourrait arriver? Attends, écoute. As-tu dit Dibia? Oui. Dibia Amogwe. Non. C'est un puissant marabout. Je ne pense pas que nous en sommes déjà à ce niveau. Ah. Quel niveau attends-tu? Quand tout le monde sera mort? Bien, si tu dis que tu es confortable avec ça et tu l'appelles un phénomène naturel ou je ne sais quoi, nous savons que l'homme peut mourir. À tout moment, l'homme peut mourir, mais pas de cette manière. Perdre ses propres enfants au même jour et au même moment, au même mois, au même moment, en répétition. J'ai dit ce que je pense, au moins en tant qu'un ami. Et il n'y a rien du tout derrière tout ça. Ok. Tu dois savoir ça. En fait, mon cher, je te remercie vraiment pour ton souci. Tel que je venais de le dire. C'est juste une mort naturelle. Et rien de plus. Ça va. Prions alors. Mais Dieu sait le mieux à venir. Ça va, Maduka. Pas de problème. Je pense que... Mon ami Otiendo était venu ici hier et m'a dit que la mort qui avait emporté notre fille l'année dernière est la même mort qui a frappé notre fils Emeka. Obim, je commence à croire à ton ami. Parce que la façon dont mon fils Emeka est mort, c'était aussi de cette même façon. Notre fille Michelle était morte. Tu vois, je pense que la mort de nos enfants a été naturelle. Nani, je ne sais pas. Nani, je ne sais pas. Je ne sais plus comprendre ça. Mais je me fie à ce qui se passe en moi. Je sais que cette même chose qui a tué notre fils a aussi tué notre fille. Oh. C'est cette même chose qui a tué notre fille. Tu es juste superstitieuse. Écoute, arrête d'être superstitieuse. Père, mon amour, si tu le dis... Ouais. Salut, père. Pourquoi tu pleures? Ça va, mon fils. Ouais. Je ne suis pas en train de pleurer, je suis juste en train de discuter avec ton père. Ok,
Tu as faim? Ouais, mère. Ta nourriture est déjà prête. Waouh! C'est dans la cuisine. D'accord, okay? Mère. Merci. Je ne vais plus encore enterrer un de mes enfants. Non, je ne vais plus enterrer qui que ce soit. Oh chérie, écoute, arrête de pleurer. Non, je ne vais plus enterrer un de mes enfants. Plus personne ne va mourir. Je ne vais plus enterrer mes enfants. Je ne veux plus que mes enfants meurent. Obi, tu es là? Ah, ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Où sont passés les restes, papa et maman? Maman et papa sont sortis et Michael est allé à l'école. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était pas terrible. Waouh, bienvenue. Oh, à propos, j'ai faim. Il y a mangé à la cuisine? En tant que gérant de la cuisine ou quoi? Suis-je une femme? Parce que la cuisine est uniquement mon travail, toi tu peux rester là tranquille sans rien faire. Hein? Je sais ce que tu peux faire. Écoute, je suis ton grand frère. Méfie-toi de la façon dont tu me parles avant que je ne... Es-tu obligé de les répéter à tout moment? Relax, s'il te plaît. Personne n'en veut à ta place. Va-t'en d'ici. Pouli. Je te laisse tranquille. La fille là... Alors, Michel, comment ça se passe? Oui, ça va. Mais c'est très dur. Ce n'est vraiment pas facile. Ah, ma sœur, il fallait voir les examens. C'était vraiment difficile. Enfin, d'ailleurs, toi, tu connais mieux parce que tu es passé là avant moi. Ta gueule. Tu vois maintenant, c'est pour ça que je t'ai supplié. Je t'ai imploré pour que tu lises tes notes. Tu comprends maintenant? J'étais là avant toi et je sais comment ça se passe quand on fait des examens. C'est pas difficile. Il suffit seulement que tu lises et tout va te paraître facile. Ça paraît difficile quand la personne n'a pas eu le temps d'étudier. Et tu me dis que c'est difficile. Difficile. Tu comprends? Sois concentré. J'espère que ça va rester gravé. Oui, c'est noté. Retiens-le. Hey, la petite Michelle d'hier. Hey, ma sœur, tu ne croiras pas. À l'université, les examens étaient... Hey, mon frère, ma comment sœur, tu vas? Bienvenue. Comment a été l'examen aujourd'hui? Oui, ça s'est bien passé. Et toi, comment a été ta journée? Ah! J'ai été très content aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un joli, joli bébé. Hé, hey, grand frère, es-tu sérieux? Parle-moi d'elle, raconte, dis plus. Tais-toi. Ok? Tu la fermes. Ne la regarde pas. Elle ne fait que preuve de jalousie. Hé, hey, mais de qui est-ce qu'il parle? C'est une histoire pour un autre jour. Jalousie. Toi qui chantes chaque fois que le Seigneur est bon et tu es jalouse. Hé, hey, mais qui t'a dit que je suis jalouse? Reste là, t'es jalouse. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Regarde-le. Et toi, tu fais comme si tu ne comprenais pas les choses. Ça va pas dans ta tête? Hein? Qu'est-ce que tu sais d'une relation? Hein? Que ce soit la dernière fois que je t'entends dire, parle-moi au sujet d'elle. Mon ami. En tout cas, mon cher Bifon. Tu sais quoi? Parle-moi, mon ami. Mon fils Obina a décroché une bourse pour étudier dans n'importe quelle université de son choix dans le monde entier. Oh, c'est pour cette raison que tu ne fais que remplir mon ventre avec beaucoup de bonnes choses. Tu m'as donné de la viande sauvage, tu m'as donné une Kobe. Tu m'as donné de la boisson et je bois encore. Hey! Bivant, mon cher. Obina! Je sais que ce garçon sera un bon garçon. Obina est intelligent. Très, très intelligent. Au fait, je vais boire encore. Si c'est à cause de Obina, hein, bourse. Écoute, penses-tu que j'achète de la bière juste parce que j'en ai envie? C'est pour la réussite de mon fils. D'ailleurs, écoute, bois. Ah. Il y a de l'argent, j'ai l'argent. Je vais boire. Obina, le garçon là. Oh. Il y a de l'argent, bois. Hey.
Ce repas est précieux. Tu as aimé? Bien sûr. Délicieux. Je vois que tu en profites. Tant que vous êtes là, on vous attendait de l'autre côté pour les dîners. Je Papa, sais. Ça va? Obina! Michel? Oui. Venez de ce côté, ils sont là. N'oublie pas d'apporter de l'eau. Venez vite voir ce qu'ils font. Ils nous ont laissé poireauter là-bas pour rien. Vous regardez même la télé. Vraiment. Maman. Oh, maman, si je savais, j'allais mettre la télé dans la cuisine. Tu veux que ta soupe se renverse sur mon habit ou quoi? Qui a... Laissez-moi demander, qui a préparé cette nourriture? Qui d'autre, non? Si ce n'est pas la mère de ta femme. Maman, mais pourquoi veux-tu recevoir mes éloges? C'est moi qui avais cuisiné. Ok, bien. Elle a juste préparé ta soupe. Ok, pas de problème. Ne vous disputez pas. Maman. Vous avez fait un très bon travail. Maman, je veux aussi goûter délicieux. La soupe de papa si j'ai fini mon assiette. Tu n'as pas goûté d'accord, il n'y a pas de problème. Comment tu es grosse. Si tu finis, je vais te rajouter. Et tu vas finir tout ton assiette. Je l'aime comme ça. Tout ce que tu sais de manger. Laissez Ada vivre. Gourmande. Je l'aime comme ça. Oui, juste comme ta mère, tu vois. Maman, rajoute-moi encore. Ok, attends. Tu sais bien faire l'omelette. C'est très délicieux. Ma jolie femme, qu'est-ce que tu as et qui te trouble? Pourquoi ne manges-tu pas avec moi? Hein? Regarde ce repas délicieux que tu m'as fait et tu ne manges pas avec moi. Quel est le problème? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon incapacité de te donner un enfant, ça me tourmente jour et nuit. Je ne suis pas heureuse. Tu es encore revenue sur ça. C'est pour ça que tu es soucieuse et tu ne peux même pas manger? Viens, chérie, nous avons un fils. As-tu oublié? Edjezona. Ouais. Mon mari, Edjezona n'est pas mon fils biologique. Il n'est pas mon fils. Je parle du fruit de mes entrailles. J'ai besoin de te donner un enfant venant de mon ventre. Ma femme chérie, je comprends comment tu te sens. Ok, mais on ne peut pas combattre Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous et je crois qu'au bon moment, Dieu nous donnera un enfant. Mais nous nous sommes mis d'accord que nous allons prendre Echozona comme notre fils, ton fils. Hein? Comme un point de contact tant que Dieu nous bénit. Donc s'il te plaît. Mais maintenant, je ne veux pas que tu continues à te donner des soucis. Du moins, si nous en avons un et nous sommes mis d'accord que nous allons le prendre comme ton fils et mon fils. Je n'en dis qu'on vient pas, mais je veux un enfant. Un enfant ça qui va, viendra de moi. Ça va. Dieu nous donnera un enfant. Quand le moment va arriver, mange non. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Aujourd'hui, après les cultes, j'étais allée voir le pasteur. Il m'a dit qu'il a eu une mauvaise révélation pour notre famille. Mauvaise révélation? Qu'a-t-il dit concernant notre famille? Il m'a dit qu'il a vu de larmes en train de couler. Il m'a dit qu'il a vu des corps partout. Et il y avait des gens qui pleuraient. La mort contrôle notre famille. La mort? Dans ma famille encore? Oui, crois-moi. Il m'a donné des recommandations. Il a dit que nous devons être en jeûne et prière pendant 7 jours. «
7 jours. A-t-il parlé de tout le monde et les enfants? Tout le monde est inclus. Exception aucune. Ma jolie femme. Oui. Si je dis que je suis content, ce serait du mensonge. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu entends ce qui se passe dans la maison de mon meilleur ami Maduka, tout hier qu'il l'entendra sera choqué. Je l'ai appelé en tant qu'un ami, je lui ai dit que je veux l'amener à Mokwe et voir le Dibia, afin que ses voies spirituelles soient dégagées parce que ce qui lui arrive vient des dieux. Il a dit que le pasteur lui a demandé de jeûner et prier. Ah, je ne comprends pas. Mon cher, ne penses-tu pas que c'est grâce aux jeûnes et prières qui fait en sorte que le reste de ses enfants soit toujours en vie? Ma femme chérie, ne va même pas là. Écoute, laisse-moi te dire. Il dit que le pasteur lui a demandé de jeûner et prier. N'est-il pas écrit dans le même saint livre, la même Bible que nous lisons? Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai, mais tu ne peux quand même pas le forcer à y aller. Tu veux le forcer? Pas du tout, c'est ça. Je ne peux pas le forcer. C'est à lui de décider. Au nom de Jésus. Amen. Puisque vous êtes guidés par le Saint-Esprit, dites à notre Père Céleste de délivrer notre famille de tout problème, toute malédiction ou blocage qui se présente devant cette famille. Allez, priez. Tu as dit invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et je vais te montrer ma puissance. Je vais te montrer que je suis Dieu. Seigneur, nous t'invoquons aujourd'hui. Lève ta main puissante. Le Dieu qui a libéré les Israélites d'Égypte. Lève ta main puissante. Le Dieu qui a libéré Pierre de la prison. Lève ta main puissante. Libère notre famille. Libère notre famille. Libère notre famille. Tout pouvoir venant de n'importe où, venant de l'air, venant du sol. Peu importe d'où il vient, nous recommandons le feu du Saint-Esprit. Nous recommandons le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous arrêtons les activités. Amen. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est le temps de la prière. Mais je suis très fatigué. On peut reporter ça à demain, hein? Pardon, s'il te plaît. Je suis vraiment épuisé. Moi aussi, je suis fatigué. Mais ne nous laissons pas dans la fatigue. Lève-nous pour la prière, même si ça sera juste pour une minute. Lève-toi. Dormant, s'il te plaît, hein? Comprends. On pourra prier demain.
Lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, c'est le matin. Michel. Cette blague ne me plaît pas. Michel. 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 Non. C'est pas vrai. Michel. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Non. Que se passe-t-il? C'est pas vrai. Que se passe-t-il? Non. 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 Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh non, Seigneur. Oh. Mon Dieu. Régis. Madouka, Madouka, il paraît que tu es têtu. Je t'avais dit la dernière fois, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, regarde. Allons voir le Dibia à Omoku et tout ceci finira. Tu as refusé. Tu as perdu ton fils. Tu as perdu ta fille. Et voici encore ta femme. Je ne comprends pas où. Maintenant, je suis prêt à y aller. Allons-y, aussitôt que tu es prêt. Hein? Juste fais-moi signe. Bien, comme tu le vois, le temps menace déjà. Hein? Demain matin, je t'amènerai là-bas. Hein? Ok. Ça va. Donc, à demain alors, hein? Ma femme, partons. Neka, essaie d'être forte pour ton mari, hein? Mmh. Pense un peu à tes deux enfants. Bats-toi pour eux. Hein? Rien ne va t'arriver, ma belle, ok? Ça ira, chérie, je suis là. Mon mari. Mais, ma femme. Je vais te dire une chose. Je vais te demander quelque chose. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Hein? Prends bien soin de nos enfants qui sont restés. Ah. Ça, c'est quel genre de pensée? Je suis Obina. Veille à ce que rien de mal ne leur arrive. Écoute, arrête ça. Je te promets que je prendrai très bien soin d'eux. Je te dis, hein, oui. C'est quoi ça encore, hein? Ma femme? Ah, aïe! Hey! Hey! Que veut dire tout ceci, oh? Hey! Je ne suis pas le seul dans ce monde, mais qu'est-ce que ça veut dire, oh? Mon ami Madouka, laisse-moi te demander, pourquoi tu es si têtu? Tu es très, très têtu. Hein? Quel est ce genre de vie? C'est comme ça que je te suppliais, jusqu'à ce que je t'ai amené chez le Dibia à Omoku. Il a fait la consultation et t'a dit ce qu'il faut faire pour te libérer des dieux de la terre. Tu nous as quittés, disant que tu rentrais pour aller te préparer et revenir pour le sacrifice. Et tu n'es plus jamais revenu. La suite est que t'as commencé par sur les gens de l'église, disant que le pasteur t'a dit ci, le pasteur t'a dit ça. Laisse-moi te demander, Madouka. Après que le pasteur t'a dit ci, le pasteur t'a dit ça, n'as-tu pas perdu ton fils? N'as-tu pas perdu aussi ta femme? Tu es têtu, je ne sais pas ce que tu penses. Tiendo, ce n'est pas que je suis têtu. C'est vrai que le féticheur m'a lui emmené une chèvre qui sera sacrifiée. Et ce qui se passe dans ma famille est à cause de mon père. Mais en fait, quand j'ai été voir ce serviteur de Dieu, il m'a dit que c'est quelque chose qui nécessite des grandes prières pour que Dieu le Tout-Puissant
puisse résoudre nos problèmes, de telle sorte que rien n'arrive à ma famille. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, mais je dois les croire. Peux-tu juste t'écouter toi-même? Le pasteur t'a dit, Hein? Quand le même pasteur t'a dit d'aller jeûner et prier, n'as-tu pas perdu ton fils? Bien sûr, ton fils est mort. Pas seulement ton fils, mais ta femme aussi est morte. Ça fait exactement 6 mois que tu as perdu ton fils et ta femme. Hein? Écoute, tu dois faire beaucoup attention. Je ne sais pas ce que tu penses. Ou bien veux-tu encore enterrer tes autres enfants? Au lieu d'acheter les choses nécessaires, retournez là-bas voir le Dibia pour faire le sacrifice, afin de pouvoir apaiser les dieux. Tu es ici, disant qu'on t'a dit et t'as dû croire. Ouvre tes yeux. Ce problème n'est pas ce que l'entêtement peut résoudre. Mais Uchendo, peut-être que si tu étais à ma place, alors tu aurais fait la même chose. C'est pas moi. Maintenant que les choses se présentent de cette manière, je pense que... Ok, je suis d'accord. Nous allons retourner chez les féticheurs. Je vais acheter la chèvre. Et alors, voyons ce qui va se passer, car je vais m'assurer que ma famille soit libre et que rien de mal n'arrive encore à ma famille. C'est de ça que je parle. C'est maintenant que tu parles comme un homme qui raisonne bien. Un homme qui valorise la vie de sa famille. Hein? Bien, il n'y a pas de problème maintenant que tu as décidé de le faire. Je t'emmènerai à Amokoui très tôt demain matin, afin que tu ailles faire ce qui est nécessaire et les mains de Dieu seront ôtées du dessus de ta famille. Hein? Ok, je n'ai pas tellement de problèmes. On peut même y aller maintenant. Non, ne va pas se précipiter pour ça. Hmm? On va aller demain matin, maintenant que tu es décidé. Ok. Vous étiez ici il y a quelques mois. Pourquoi n'avez-vous pas fait ce qu'on vous a demandé? Pourquoi? L'homme sage, nous sommes venus ici pour accomplir les formalités, pour que les calamités qui sont tombées sur ma famille s'arrêtent. Mais j'aimerais te demander, après tous ces sacrifices, je pense que rien n'arrivera plus à ma famille. Oinatumba. Ouais, rien. Ils vont tous s'arrêter. Tu dois faire le nécessaire. Tous les sacrifices requis doivent être faits. Et toutes ces calamités vont s'arrêter. Homme sage, mon père m'en avait parlé. Je vais offrir les sacrifices. Je ne veux pas qu'un autre membre de ma famille meure encore. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. Je ferai quoi que ce soit d'humainement possible pour faire en sorte que tout ceci s'arrête. Ogwake bien. Okoko enego. Pas de problème. Le sage, ce que je voudrais dire est que tout ce que tu nous as demandé d'apporter pour le sacrifice, on peut les trouver. Mais les yeux du vautour, on ne sait pas où et comment les trouver. Je ne sais pas. Mon fils, tu n'as pas t'inquiéter. Il n'y a rien que je ne peux pas trouver pour vous. T'inquiète pas, vous pouvez amener de l'argent et je vais tout trouver. Tu n'as pas t'inquiéter. Je vais te donner l'argent. Bien. Oh moi bon, au fond de Badji, du passa. Na banga da lebu ya wote ego gi nge yo trego uta kala bi nge yo tego.
Madouka, j'allais quelque part, mais je me suis dit de passer ici pour te rappeler encore que tu sais que demain, nous allons chez le Dibia à Amokwe, comme promis. Alors, je ne sais pas comment tu es préparé, du moins c'est l'argent pour les choses que le Dibia va utiliser. Oh bien, mais comment allons-nous faire pour que l'argent lui parvienne? Juste mets l'argent à ma disposition, je vais le lui emporter pour faire précipiter les choses. Ne tardons pas. Ok, bien alors. Puisqu'il a dit qu'il allait lui-même trouver les choses, alors c'est combien ça? Tu peux compter? Oh bien, c'est au complet. Je vais maintenant me dépêcher pour aller le voir. D'accord. Où est ton frère Obina? Il était sorti. Il n'est pas là. Ça me revient, papa. Hier, tu n'étais pas là. Où est-ce que tu étais parti? Je suis allé quelque part pour m'assurer de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre famille. Ça veut dire que tu étais parti à l'église prier? Non, je suis allé chez un grand prêtre, en fait, un féticheur. Papa, est-ce que je t'ai bien entendu? Oui, je vais en finir et c'est la meilleure des choses à faire pour arrêter tout ça. Donc c'est comme ça. Ça veut tout simplement dire que tu ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu, mais je dois faire le nécessaire. Frère Madouka, comment est-ce que j'apprends que vous avez été voir un féticheur? Pasteur, ce que j'ai fait et ce que j'étais censé faire. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal là-dessus. Non. Frère Madouka, vous êtes allé trop loin. Vous savez, la Bible nous dit que quiconque croit au Seigneur n'est jamais déçu. D'où vous n'avez qu'à le croire et le laisser agir. Pasteur, j'ai toujours cru à notre Seigneur. Mais ma femme et mes enfants sont morts. Hein? Je comprends votre douleur, vraiment. Je comprends. Mais vous devez être très prudent. Dieu aime ses enfants. Et il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc vous devez revenir à l'église et demander pardon à Dieu. Je t'ai écouté, pasteur, mais c'est juste que ce problème, en tout cas, ça me dépasse. Tout va bien se passer. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Je comprends comment vous vous sentez. Je comprends, mais vous devez être patient. Soyez patient, regardez un peu Job dans la Bible. Vous savez ce qui lui est arrivé. Nous devons être patients et attendre que Dieu agisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en peux plus, mon Dieu. C'est bon, arrête de pleurer. Dieu est ta force. Tu n'es pas seul, ok? Dieu est ma force. Sache que Dieu est avec nous. Tu n'es pas seul, nous allons nous battre ensemble. Ok? Pasteur. Donc, arrête de pleurer maintenant. Amen. Mon père. Ma mère. Où est Obina? Où est parti Michel? Je suis restée toute seule. Regarde mon papa. Lui aussi veut partir. Je t'en prie, papa. Papa, s'il te plaît, je t'en prie. Ne me fais pas ça. Ne me laisse pas toute seule. Non, je ne saurais pas supporter ça. Je ne saurais pas rester toute seule. Ma soeur, tu n'es pas seule. C'est bon, arrête de pleurer. Dieu est avec nous. Nous allons nous en sortir ensemble. Pour l'instant, je dois aller prier. Je reviendrai ici. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. Je reviens très bientôt. D'accord. Ok? Je reviens. Va prier. Ne te décourage pas. Ok? Je reviens très vite. Seigneur! Prenez bien soin de vous. Seigneur, pourquoi moi? Pasteur, ne pars pas! Ça va aller. Ne pars pas, pasteur! Arrête de pleurer comme ça. Prends de son, la porte au diable. Oh, c'est maintenant, ça semble. Oh, Seigneur! Oh, mon Dieu!
Papa, ne me laisse pas tout seul. Je suis sûre. Arrête. Fais partie, maman. Arrête de te tordre. Emeka. Hey. Oh, petite Michelle. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Ne me laisse pas. Je suis toute seule. Maruka, il y a quoi? Uchenna. Je t'en prie, papa. Il y a quoi? Tu iras bien. Uchenna, tu es là. Ouais, je suis là. Papa. Oh, ça va, ma fille. Sois la bienvenue. Hein? S'il te plaît, Uchenna, hein, je veux que tu prennes très bien soin de ma fille. Prends bien soin d'elle. S'il te plaît, sois obéissante, ma fille. Tout va bien se passer. Ok, ok. Okay. En tout cas, s'il te plaît, la façon dont tu parles, ça ne me plaît pas. Écoute, tu dois être en vie, du moins pour prendre soin de ta seule fille. Quelle que soit la situation, les dieux combattront pour toi. Merci. Tu vas vivre, rien ne va t'arriver. Mon frère, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Hey. Uchenna. Tu vois, ce dossier contient toutes les informations concernant toutes mes propriétés. Les terres que je possède ainsi que tout. Utilise-les comme un bon père de famille et prends soin de ma fille. Je ne sais pas quand cette chose prendra. Ça va. Je prendrai soin d'elle. Rien ne va t'arriver. Hein? Je veux que tu survives. Sois fort, mon ami. Hein? Tu vois, dans cette vie, quand les choses arrivent comme ça, l'on pense que c'est la fin du monde. Mais ce n'est toujours pas le cas. Tu vas encore retrouver ta force et être bien. Hein, papa. Maruka? Papa! Azucheno! Azucheno! Hey! Azucheno! Reviens, s'il te plaît, reviens, ne pars pas. Azucheno, mon Dieu. Reviens, s'il te plaît, reviens, mon papa est parti. Mon papa est parti, Azucheno, je t'en prie, reviens. Non, mon Dieu. Reviens, reviens, je t'en prie. Mon Dieu, pourquoi ça, non? Pourquoi? Allez, regarde, écoute. Reviens, je t'en prie, ma soutienne, reviens. Mon Dieu. Reviens, s'il te plaît. Ça va. Arrête de pleurer. Hein, tout ira bien. Je comprends comment tu te sens. Ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer, ok? Tout va bien aller. Mazotiendo. Pasteur. S'il te plaît. Prends soin d'elle parce que c'est la fille de ton ami Mazimaduka, ok? Et je passerai de temps en temps pour lui rendre visite et veiller à ce que l'église prenne bien soin d'elle. D'accord, pasteur. C'est bon, ma fille, arrête de pleurer. Ça va, pasteur, j'ai entendu ce que vous avez dit, je prendrai soin d'elle très bien. En toute franchise, Mazimaduka était mon meilleur ami. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour le rendre heureux là où il est, je le ferai. Je prendrai soin d'elle. Arrête de pleurer, ma fille. Allez, Tizi, c'est bon. Arrête de pleurer, ok? Je viendrai te visiter de temps en temps et j'espère que tu vas aller mieux et bien prendre soin de toi. Merci. Entre, ma fille.
Entre. Viens t'asseoir. Ah, chérie. Tu es revenue? Comment tu vas? Bonjour, maman. Ah, s'il te plaît, c'est toi. Oui, prends place. Merci. Ah, t'es la bienvenue dans ma maison. Merci. Hmm? Dorénavant, cet endroit est ta maison. Tu nous vois comme ton père et ta mère. Je veux que tu sois à l'aise. Ok? Chérie, tu sais que nous en avons discuté avant de la prendre chez nous. Maintenant, elle est là. S'il te plaît, ma chérie, je veux que tu la prennes comme ta propre fille. Fais tout ce que tu peux faire pour elle, pour la rendre heureuse. Ok? Mon mari. Ouais, ma chérie. Il n'y a aucun problème. Bien. Jay-Z est comme ma fille. J'aime ça. Sois la bienvenue, Jay-Z. Fais comme chez toi. Mm-hmm. C'est ton droit, c'est ta maison. Bien. Ok? Le problème est que bientôt, Edjason va repartir à l'école. Elle va s'ennuyer. Non, ça ne sera pas un problème. Tu es venu pour rester, alors mets-toi à l'aise. Oui. Monsieur. Désolé. Ça va. Je ne sais comment vous remercier de m'avoir accueilli. Et c'est là à mon état. Arrête de pleurer. Ça va, c'est ne suffisant. Te gêne pas. Je vous remercie vraiment. Ça va. Comme je l'avais dit tantôt, je suis maintenant ton père. Et voici ta mère. Merci. Jay-Z, ça suffit. Arrête de pleurer. C'est bon. Essuie tes larmes. C'est bon. Ok? Ça va, tout ira bien. C'est ta Allez, maison ici. Nous sommes tes parents maintenant. C'est fini. C'est fini, ma fille. Arrête de pleurer. Ok? Ah, comment puis-je expliquer ça? Tu sais que je t'ai vraiment terrifiée. Allez, écoute, n'aie pas peur, hein, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, viens. Prends place. Assieds-toi, jeune homme. Allez, mets-toi. Voilà. Assieds-toi. Ok. Relax, hein, relax. Qui êtes-vous? Et que fais-je ici? Remercie Dieu, puisque tu es encore en vie. Jeune homme, écoute-moi. Dans ces jours si précieux, je conduisais dans une rue. J'étais tellement pressé et j'ai eu l'envie de me soulager. J'ai parqué ma voiture à côté. Et quand je suis sorti de la voiture, j'ai remarqué qu'il y avait eu un accident dans ces quartiers. Et quelqu'un parmi mes proches m'avait dit que tout le monde impliqué dans cet accident y est passé. Mais quand j'ai regardé tout près de la route, j'étais vu. Tu étais étalé et inconscient. Je me suis rapproché. J'ai remarqué que tu respirais encore et que tu avais la vie devant toi. Alors je devais aller avec toi à l'hôpital. En arrivant là, un médecin t'a vu et a dit que tu pouvais survivre. Après le travail du médecin, je devrais t'amener ici avec moi dans ma maison pour que tu puisses te rétablir. Nous remercions Dieu puisque tu es en vie. C'est ce qui s'est passé. Alors, peux-tu nous donner une quelconque information pouvant nous permettre de savoir qui tu es? Ton nom? Oui, ça c'est vrai. Toutes les informations te concernant. Ton nom et ton village aussi. Oui, ton nom. Mon nom. Mon village. Mm-hmm.
et tes parents, juste souviens-toi de quelque chose. Il est stressé, il n'a pas encore ses sens. On doit aller petit à petit. Il reviendra à ses sens, ok? Pas de problème. Ok, détends-toi dans ce cas. Relaxe-toi, ok? Dis-moi, tu voudras manger quelque chose? Salut. Que cherches-tu tout autour? Autour. Autour, oui. Alors, comment vas-tu? Bien, bien, bien. Je suis Funanya. Allez, viens. Viens avec moi. Et toi? Alors, parle-moi un peu de toi. Moi? Oui, de toi. Je ne peux même pas me souvenir de quoi que ce soit sur moi. Je ne sais même pas comment je suis arrivé à cet endroit. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne te rappelles pas? C'est ce que je dis. T'inquiète pas, ça va aller. Juste sens-toi à l'aise, fais comme chez toi. Tout ira bien. Au fait, prends ça. Bois. Parfait. Maman, j'ai de la peine pour ce garçon qui a perdu sa mémoire. Il n'arrive pas à se souvenir de quoi que ce soit de sa vie. Je sais ce que tu dis, ma fille. Mais la seule chose qu'on puisse faire est de le garder chez nous jusqu'à ce qu'il reprenne sa mémoire. Chérie, tu as raison. Mais n'oublie pas que nous n'avons pas de fils dans cette famille. Moi d'ailleurs, je prie pour que sa mémoire ne se rétablisse pas. Comme ça, il pourra rester ici comme notre fils. Es-tu folle? Et alors? De quoi es-tu en train de parler? Papa, tu sais que ce que maman a dit est vrai. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un frère ou une sœur. Je veux qu'il reste ici, comme ça il sera comme mon frère. Bon, écoutez-moi. Cet enfant ne nous appartient pas. Un jour, il retrouvera sa mémoire et rentrera vers ses parents. Non, il ne rentrera pas. Moi aussi, je ne vais pas. Êtes-vous malade? Je suis pas folle. Vous ne me comprenez pas. Laissez-moi vous prévenir. Ce garçon n'est pas notre fils. Betty, ce garçon retrouvera sa mémoire un jour. Et quand ce sera fait, il retournera vers ses parents. Nous ne sommes pas ses parents. Papa, mon souhait est qu'il ne retrouve pas sa mémoire. Je ne veux pas qu'il parte. Non, je ne veux pas qu'il rentre. Je veux qu'il reste ici. Cheesy. Tu es déjà là?
Ouais, je suis revenu. Et pourquoi l'as-tu laissé dormir ici, sachant que il y a beaucoup de moustiques ici? Je ne savais même pas. Regarde ma main, c'est même taché. Je ne savais pas qu'elle dormait. S'il te plaît, amène-la à l'intérieur, d'accord? Ok. Jeezy, réveille-toi. Il y a trop de moustiques, lève-toi. Pourquoi tu dors ici? Lève-toi, va au lit. Debout, Jeezy. Debout. Je dis lève-toi et va dormir dans ta chambre. On entre. On y va. Sais-tu que tu es étrange? Étrange? Tu es très différent des autres hommes que je connais. Parle-moi à propos d'eux. Beaucoup d'hommes que j'ai connus voulaient abuser de moi. Mais toi, tu ne me vois même pas comme une femme. Bien que des fois je fais tout pour te provoquer. Mais je pense que c'est bien. Ou tu penses que je devrais faire ça? Oui, parfois. Je ne comprends pas. Laisse tomber. Ça va, si tu le dis ainsi. Je voulais te poser une autre question. Ok. Es-tu déjà tombée amoureuse d'une fille? Amoureux d'une fille? Je n'ai jamais été. Tu l'as été? Je ne sais vraiment pas si je dois appeler ça amour. Quand j'étais à l'école secondaire, j'ai tombé souvent sur des gars qui me disaient « Ifou, on t'aime ». Et moi, je leur disais « Je vous aime aussi ». Ils m'écrivaient des lettres et je les répondais. C'est un peu ça. Pourquoi tu fais cette tête? Tu te sens perdu? Tu es tombé amoureux de moi? Moi? Vous passez des bons moments, hein? Oh oui, on était en train de causer. Où est ta mère? Est-elle à la maison? Non, maman était partie au marché. Alors, jeune homme, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Merci. Ok, je vous laisse un peu. Que je monte un peu, je vais m'échanger, puis je serai avec vous un peu plus tard. Ok? On reprend notre discussion. Où est-ce qu'on en était? Oublions ce sujet. Allez, réponds-moi maintenant. Est-ce que tu m'aimes? Laissons ça pour l'autre jour. Hein? Ne parlons plus de ça. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Non, ce n'est pas le genre de personne que je suis. Manduka m'a fait confiance. Ochindo, tu ne devrais pas faire ceci. Non, non, tu ne devrais pas faire ceci. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Ochindo? Non, je ne peux pas faire ça. Ça ne peut plus se passer. Comment briserai-je cette confiance par mon action? Manduka, s'il te plaît, n'importe où tu es, pardonne-moi. Ça ne va plus se passer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Thank you.
Chérie. Ouais, chérie. Je m'en vais. Oh. Au village. Oui, je dois aller voir ma mère. Elle est malade. Permets-moi d'aller prendre soin d'elle. Je ne ferai que deux jours. Ça, tu sais bien. Comment se comporte le vieil. Ouais. Je ne vais pas traîner. C'est je bien. Ne ferai que deux jours et pas plus. Ça va, salue-moi ta mère. Je le ferai. Hmm? Mais la chose la plus importante, c'est Jizzy. Je t'en prie, prends soin d'elle. Il y a de la nourriture dans le congélateur et aussi dans le frigo. Mais au cas où elle ne veut pas, donne-lui de l'argent qu'elle s'achète ce qu'elle veut. Ok? Tu connais ton mari, non? Je ferai ça. Je prendrai soin d'elle. Mais maman, quand tu ne seras pas là, la maison va rester vraiment vide. Ah, c'est seulement deux jours. Deux jours et je serai là. Hein? Ok. Maintenant, c'est toi la maîtresse de la maison. Alors, prends soin de tout le monde. Et en particulier, toi-même. Prends bien soin de toi. Je le ferai. Je m'en vais. Ok, chérie. Bye. Au revoir. Ouais. Mets regard à ta mère. On y va, maman. Je t'accompagne. Ok. Oh. Arrête. Je sais que c'est toi. Je dis, je sais que c'est toi. Arrête. Tu penses que quelqu'un d'autre peut venir fermer mes yeux avec ses mains? Je sais que c'est toi. Et alors, si jamais ce n'était pas moi, tu allais dire quoi? Tu es drôle. Tu sais qu'il n'y a personne dans cette maison qui peut me faire ça. Donc si ce n'est pas toi, qui peut le faire alors? Je t'aime. Arrête de dire ça. Tu es ma sœur. Je ne suis pas ta sœur. Je ne te connais pas. Je ne sais même pas d'où tu viens. Alors comment je serai ta sœur? Écoute, je t'aime. Et je ne sais pas comment cela est arrivé. Écoute, tes parents sont tellement gentils avec moi. Ils m'ont pris comme le fils. Je ne veux pas blesser leur cœur. Je t'aime et je ne vois pas en quoi ça va briser leur cœur. Juste essaie de te calmer et laisse-toi aller. C'est comme je m'abuse de leur gentillesse et peut-être ils ne vont pas aimer ça. C'est pas que je ne t'aime pas, mais je ne veux pas détruire ce qui... Juste ce aime-moi, aime-moi, oublie-le. Rien ne va t'arriver. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît. Tu sais, je ne veux pas profiter de toi. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas commencer. Hein? Ce que je ne peux pas finir. Tu dois comprendre cela. T'inquiète, ça va aller. J'ai beaucoup de choses sur moi. S'il te plaît, je t'en prie. Dis-moi au moins que je vais prendre le temps de réfléchir. Ne refuse pas. Je t'aime. S'il te plaît. Thank you.
pas tenu à ma promesse. La personne qui a abusé de moi, c'est Mathieu Tchendo, ton ami. Il a pris ma virginité, papa. Mais tu vas voir pourquoi je m'en laisse toute seule. Je n'ai pas de père. Pas de mère. Je n'ai personne. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi me tu as abandonné? Jizzy, je suis très désolé. Ne me touche pas. Tu es un homme cruel. Ne sais plus jamais. Ne me toucher. Plus jamais. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Désolé. Jizzy, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu le contrôle de Soura. Je n'aurais pas dû faire ça. Si j'avais pu, je l'aurais corrigé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai envie de mourir. Que la mort vienne m'emporter. Qu'elle vienne m'emporter. Pourquoi j'ai pu faire ça? Je suis désolé. Je suis très désolé. Pardonne-moi du fond de ton cœur, s'il te plaît. J'aurais souhaité n'avoir pas fait ça, s'il te plaît. Je souhaiterais que la mort vienne m'emporter. Je veux mourir. Oh, s'il te plaît. Jésus, je suis désolé. Je suis désolé. Je veux payer avec ma vie. Que la mort vienne m'emporter. S'il te plaît. S'il te plaît. Toi. Aïe. Oh. Oh Dieu. Tu vas mourir, Mazu Tchendo. Tu vas mourir tout seul. Je te déteste. Si seulement je me rappelle de cette nuit, tu mérites la mort. Je te déteste plus que tout. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je me suis fait? Qu'est-ce que je me suis fait? Oh Maruka, s'il te plaît, pardonne-moi. Jizzy? Maman? Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de vomir? J'ai de la fièvre. Tu as de la fièvre? Oui, maman. Et tu frissonnes. Et ta température a monté. Qu'est-ce que tu as mangé? Rien. T'as rien mangé? Chérie, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oui, chérie. Jizzy est malade. Elle a de la fièvre. Elle tremble et elle vomit. Est-ce qu'elle a pris quelque chose? Comment ça? Mais elle vomit. Ça va. Tu vas trouver de l'eau chaude pour lui nettoyer le corps et puis lui donner quelques analgésiques comme le paracétamol. Puis demain matin, tu vas l'amener à l'hôpital. Oui, je vais l'amener à l'hôpital. Jizzy? Oui? Ça va aller, hein? Va te reposer à la maison. Merci. Je vais t'amener à l'hôpital. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a au juste? Et c'est quoi le résultat des examens? Toutes mes félicitations. Elle a une grossesse de 3 semaines. Oui, voilà les résultats du test. Ouais, elle est enceinte.
et je sais que son mari sera très content de l'apprendre. Jeezy, qui en est le responsable? Jeezy, maman, qui en est l'auteur? Ah, désolée, madame, je suis confus. Qu'est-ce qui se passe? Hey. Je ne sais par où commencer. Hey. Comment va-t-elle? Jeezy? Jeezy? Jeezy Terry? Maman, viens s'il te plaît. Mets-toi ici. Dieu, comment peux-tu être si dévergondé? Donc, à mon absence, quand je te demande sagement de rester à la maison, tu profites de l'occasion pour sortir et faire ce que bon te semble? Hein, Jeezy Terry? Sais-tu que tu es une honte pour ton père? Tu es une honte pour toute ta famille. Comment peux-tu vraiment permettre à quelqu'un de prendre ta gloire? Hein? Mon mari. Ouais. Je ne sais quoi dire. Elle est enceinte. Jeezy. Ma fille. Qui en est l'auteur, dis-moi. Hein? Je dis, qui en est le responsable? Jeezy? Qui en est l'auteur? C'est mon oncle. C'est mon oncle qui m'avait violée. Il m'avait violée. Et il m'avait dit... Je n'ai pas mentionné son nom, sinon il va me tuer. Je suis désolée. Désolée. Uchendo. Est-ce vrai? Hein? Est-ce vrai? Ma femme, s'il te plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Vraiment, je n'arrive plus à me retrouver. Je suis très désolé, ma femme. Uchendo, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Je suis désolé. Qu'as-tu fait? Uchendo, qu'as-tu fait? Hein? Uchendo, Uchendo, qu'as-tu fait? Idiot, intervenez, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait cette pauvre fille, Uchendo? Uchendo, hein? Uchendo, Uchendo, tu m'as tué. Ça, c'est quoi même? Chérie, je veux te dire une chose. Oui, c'est quoi le problème? C'est à propos de ce jeune homme qui est ici avec nous. Ne vois-tu pas que sa présence peut corrompre notre fille? De quoi es-tu en train de parler? Que veux-tu dire? En fait, depuis que j'ai connu ce garçon, il ne m'a jamais donné de raison de le suspecter ou de douter de lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au fait, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Il est bon. Mais, chérie... Ce que mes oreilles ont entendu aujourd'hui et ce que j'ai vu. Alors, c'était quoi? Chérie, notre fille est en train de tomber amoureuse de lui. Tu ris? Alors, qu'y a-t-il de mauvais là-dessus? Ces deux personnes sont adultes. Ah. Je pense qu'on doit leur permettre de faire leur vie. Ah. Laisse-moi te dire une chose. C'est d'ailleurs mieux maintenant qu'ils sont sous notre toit. Ça nous donne une large opportunité de leur expliquer que le sexe avant le mariage n'est pas une bonne chose. Ça pourrait amener à une grossesse. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas dans cette maison. Mais pour l'amour, je pense qu'ils en ont l'âge. Permettons-leur de vivre leur vie comme jeune homme et jeune femme.
Chérie, je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Je sais pourquoi je me lamente sur ça. Parce que je ne veux pas que nous arrivions à la grossesse. Je ne veux pas de la grossesse dans cette maison. Chérie, sinon, je tuerai une personne. Chérie, je comprends bien ta peur. Et c'est pour cela que je dis, c'est encore mieux puisqu'ils vivent sous ce toit. Nous allons bien contrôler leurs relations et leur montrer le chemin à suivre. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu le dis, ok, y a pas de problème. Alors, relax, ok? Permets-leur, ils sont adultes. Uchendo! Uchendo! Regarde-toi un peu. Hein? La petite fille qu'on a confiée entre tes mains. Chez ton meilleur ami. Ton ami qui a tout perdu. Y compris sa vie. T'as confié sa fille. Il a laissé sa fille sous ta responsabilité. Uchendo, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu as pris sa fierté. Hein? Tu n'as pas honte. Tu es allé coucher avec elle. Hey, Uchendo. Ma femme, je suis désolé. J'ai vraiment honte de toi. Je suis très désolé. J'étais perdu, je ne sais pas ce qui m'a... Que cet égarement te tue. Tu étais perdu. Hein? Donc tu ne pouvais pas aller regarder ailleurs, loin de cette petite fille? Qu'en est-il de femmes qui circulent dans la rue? Hein? Ou ça, tu pouvais aller te trouver une petite amie? Il fallait seulement Cheesy. Pourquoi seulement Cheesy? Pense un peu à son état. Hé, hey, Uchendo. Uchendo. Je suis très désolé. Tu es désolé pour toi. Désolé pour toi-même. Hein? Juste, tu dois... Approche-toi déjà, Uchendo. Sois prêt parce que son père viendra après toi. Son père doit venir à ta rencontre, y compris la folie. Ah! Dieu ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner pour avoir fait ça, Uchendo. Une innocente fille. Hey! Uchendo. Uchendo, tu m'as tué. Tu m'as tué, Uchendo. Écoute, plus les jours passent, plus mon amour pour toi grandit. Je ne sais comment éteindre cette flamme qui ne fait que brûler en moi. Ify, hein? Pour être honnête avec toi, moi aussi, j'ai le même sentiment. Mais je ne veux pas que cela donne l'impression du genre « je vais profiter de toi ». Tu ne profites pas du tout de moi. Est-ce que je me plains? Oh, je ne me plains pas, c'est juste que tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas te déranger pour si peu. Je t'aime. Et au plus profond de toi, tu sais que je t'aime. Si tu ressens la même chose, alors laisse les choses aller telles qu'elles. Ify. Hein? Ok. Essayons de voir. Mais on ne doit pas trop exposer ça, hein, à cause de ton père. Je te promets que je ne vais pas l'exposer. Je ne le ferai pas. Ça, c'est mon oui. bébé. Fais-moi un petit bisou pour me confirmer que ce que tu dis est vrai. D'accord. Je vais t'acheter maintenant de la pomme. Pourquoi veux-tu seulement commencer avec ça? Y a-t-il quelqu'un à la maison? Eh oh! 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 Vous êtes là? Oui! Comment tu vas? Je vais bien. Bien. Je sais que tu te demandes pourquoi je suis ici. Et, oui, je suis vraiment surprise. Bien, je suis venu rendre visite à un ami. Tu vois, en passant par ici, je me suis rappelé que votre adresse se trouve à côté de cette route. Alors, je me suis dit de m'arrêter pour vous saluer. Merci beaucoup d'être passé. Je t'en prie. Tu vois... En fait, hier, tu es venu à la clinique... Avec ta mère ou ta tante.
pour avoir les résultats du test. Et quand j'ai annoncé les résultats, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je me suis décidé de venir te rendre visite pour savoir si c'est quoi le problème. Est-ce que ton mari refuse le bébé ou en fait, je veux savoir c'est quoi le problème. S'il vous plaît, docteur, j'ai pas vraiment besoin d'en parler. Pouvions-nous changer de sujet? J'ai pas besoin d'en parler. Cheesy, je sais que tu es juste en train de m'ignorer. Mais je veux vraiment que tu partages avec moi ces problèmes. Parce que je t'apprécie beaucoup. Est-ce que tu me comprends? Docteur, s'il vous plaît, pourriez-vous laisser tomber ce sujet? D'accord. Veux-tu être mon ami? Bien sûr que oui. Merci. Je suis le docteur Williams. Ok, docteur William, mon nom est Cheesy. Ravi de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. J'aimerais aussi savoir si j'ai le droit de venir te rendre visite quelquefois. Oui, vous êtes libre de venir me rendre visite quand bon vous semblerait. Merci beaucoup. Merci, docteur. Passe une bonne journée. Vous aussi. Bye. Mon amour. Mon cœur. Je t'aime. Je suis très contente d'être avec toi. Tu me rends complète. Mon cœur. Hein? Tu ne sais pas ce que je ressens. Depuis que tu es entrée dans ma vie, il y a cette paix intérieure que tu m'as donnée. Comment? Tu es entrée et tu l'as réveillée. Wow, je ne me suis jamais sentie ainsi auparavant. Mais me voici. Et je promets de toujours t'aimer. Et hein? Je t'aimerai. Oh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça, c'est bien. Ma femme chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Es-tu toujours énervée contre moi? Hein? Allez, viens, non. N'essaye même pas de poser tes sales mains sur moi. Un homme sans vergogne. Tu n'as même pas honte de toi? Je croyais qu'après avoir couché avec cette petite fille, tu n'auras plus envie de sortir avec une autre femme. Hein? Crapule. Je ne comprends pas. Tu es ma femme. Hein, c'était juste une erreur, donc tu es toujours ma femme, s'il te plaît, viens, hein, juste... Ta femme, laisse-moi te dire une chose, j'ai arrêté d'être ta femme le jour que tu avais commis cette atrocité. Tu n'es plus mon mari et je ne suis plus ta femme. Juste laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix. Tout le monde sait que je me suis marié avec toi, même tes parents. Tu t'es marié avec qui? Ok. Pas de problème, mais viens, juste... Lâche-moi! Juste un coup. Regarde-le. Regarde-toi. Tu es un bouc. Stupide. Pardon, non. Ouais, j'accepte, je suis un homme stupide. Mais lâche-moi! Juste pour cette nuit. Hein, Insensé. Okamaka. Comment vas-tu? Je vais bien, docteur. Bienvenue dans mon bureau. Merci, docteur. Dis-moi, comment tu te sens? Je ne vais pas bien, docteur. J'ai vraiment la flemme tous ces derniers temps.
Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais. C'est tout à fait normal. C'est ta toute première fois. C'est comme ça que ça se passe. Et tu m'as jamais dit... Qui en est le responsable? Tiens donc, Cheesy. Arrête ça. Ne pleure pas. Je t'avais dit que je suis là pour toi. Ok? Qui qu'il soit, confie-toi à moi. Ok? Cheesy, s'il te plaît. Arrête de pleurer et confie-toi à moi. Qui t'a engrossé? Qui en est le responsable? J'ai été violée. Quoi? Violée? Par qui? Par Mazu Chendo, le meilleur ami de mon papa. Non, ça ce n'est pas possible. Jésus-Christ! Mazu Chendo, le meilleur ami de ton père? Oui, docteur. Cheesy, et où sont tes parents? Ils sont morts. Jésus-Christ. Tous les membres de ma famille sont morts. Je suis restée toute seule. Je n'ai personne pour ma défense. Oh, ça va. D'accord. Je suis là. Je me battrai pour toi. Oui, je le ferai. S'il te plaît, apaise-toi. Et pour ce minable qu'on appelle Uchendo. Ça va. Écoute-moi. Je vais me battre pour toi. Et je vais m'assurer que cet homme croupisse en tôle. Oh non, non, docteur, non, je vous en prie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Cheesy, je ne te comprends pas. Pourquoi tu couvres cet homme qui t'a mise dans une telle condition? L'homme qui t'a violé, il mérite d'être puni. Il mérite d'être arrêté. Docteur. S'il vous plaît, attendez que je vous raconte. Docteur, ce type a beaucoup fait, il m'a beaucoup aidé dans la vie. S'il vous plaît, je vous en prie, docteur, arrêtez. Ne faites pas ça. En tout cas, je n'arrive pas à te comprendre, Cheesy. S'il vous plaît. Quant à cet enfant, je ne sais vraiment pas ce que je ferai, docteur. Oh, ok. D'accord. Arrête de pleurer alors. Allô, Cheesy. Bonjour, docteur. Comment vas-tu? Je vais bien. Ok. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, Cheesy. Et qu'est-ce que c'est? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois venir à la maison te voir ou que toi tu viennes me voir au bureau. D'accord. Et quand exactement? Oh, demain. Demain. Demain sera mieux. Docteur, je crois que venir au bureau serait mieux. Ok, d'accord. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Je vais t'attendre demain alors, ok? Oui. Merci beaucoup. Ok. Passez une bonne journée, ok? Bye. Bye. Docteur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. J'ai pas pu venir à temps. J'étais très occupée à la maison. Cheesy. La raison pour laquelle je t'ai appelé est qu'il y a quelque chose d'important dont j'aimerais te parler. Le tout premier jour où je t'ai vu à la clinique... Je suis tombé amoureux de toi.
Docteur, je ne comprends vraiment rien. Vous m'aimez comment ça? Dans mon état? Après tout ce que je vous ai raconté concernant ma vie? J'ai été violée, docteur. J'ai perdu tous ceux qui m'étaient chers. Et vous essayez de dire que vous m'aimez? J'aimerais savoir, c'est quoi ce genre d'amour dont vous êtes en train de me parler? Je me fiche complètement de ta condition. Je me fiche complètement que tu sois enceinte. La vérité dans l'histoire est que je t'aime et je suis prêt à m'occuper de ton enfant, m'occuper de lui ou d'elle et m'occuper de toi. Oui, je t'aime. Docteur, vous m'aimez? Oui. Je ne sais quoi penser de tout ce que vous me dites et je ne sais quoi penser de vous. Sérieusement. Ça va, détends-toi. Pouvez-vous m'accorder un peu de temps pour y réfléchir? C'est d'accord. Juste pense-y. Mais n'oublie pas une chose. Je t'aime. Et je t'aime pour de vrai. Merci. Je t'en prie. Maman? Je pense que nous devons aller à l'hôpital avec Tsuko Ebuka. Non, maman, je ne crois pas que c'est... Mon père! Ma mère! Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, ça va? Je t'ai entendu dire mon père, ma mère. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Oui, tu te souviens de quelque chose? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en tête? Oui, non. Non. Kilo. Allez, va te mettre. Qui se met? Mets-toi. Tiens-le, tiens-le. Il faut n'ajouter de le tenir. Tiens-le. N'essaye pas de lui demander quelque chose. Je vais essayer. Il a besoin de se reposer. Il doit se relaxer. Je vais essayer, maman. Je me mets juste à côté de lui. Prends bien soin de lui, d'accord? Ça va. Oui, docteur. Est-ce que ça va? Je vais bien. Cheesy, je t'aime tellement. Et je le pense. Docteur, je crois que vous inquiétez beaucoup. Mais comment pouvez-vous aimer une personne que vous connaissez à peine?
En plus, elle est enceinte d'un autre homme. Et vous insistez en disant que vous m'aimez. Je ne vous comprends pas, docteur. S'il vous plaît, dites-moi. J'aimerais savoir, parce que je ne comprends rien. C'est quoi ce genre d'amour? Je m'en fous. Je me fiche complètement de tout ça. Tout ce dont je m'inquiète est que je t'aime. Je ne m'inquiète pas si tu es enceinte ou quelle que soit ta situation. Je suis prête à adopter cet enfant comme le mien si tu acceptes d'être ma femme. Docteur. Alors, du fait que vous insistez sur ces points, saviez-vous que depuis que vous m'avez parlé de ça, je me sens vraiment coupable? Je me sens vraiment coupable de la manière dont cette grossesse m'est arrivée. Est-ce que vous le savez? Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas, s'il te plaît. Tu ne devrais pas te blâmer. Ce n'est pas de ta faute. Du fait que vous insistez en disant que vous m'aimez, alors je vous aime aussi. Et je suis prête à devenir la femme de ta vie. Laisse-moi deviner. Tu veux dire, tu m'aimes aussi et tu es prête à devenir ma femme? Oui. Tu me rends un homme tellement heureux. Merci beaucoup, je me sens tellement heureux maintenant. Fais-moi un câlin. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans mon état. Ce n'est rien. La vérité est que je t'aime. Je t'aime aussi. Laisse-moi te ramener à la maison. Obi, j'ai trouvé cette carte mémoire. Je ne sais pas si ça t'appartient parce que c'est pas... Hey, carte mémoire? Ok, laisse-moi mettre ça dans l'appareil pour voir son contenu. Wow. Ouvre, ouvre. Ouvre. Qui sont ces gens? Photo. Mais c'est... Ma famille, mon père, ma mère, ma soeur. Quoi? Qu'est-ce que t'as mes dit? Mes parents. Qu'est-ce que tu dis? Hé! Hey! Es-tu sérieux? Je sais d'où je viens. Hé! Hey! J'ai hâte d'être à la maison. Regarde comment tu fais. Tiens. Et fais... Donne-moi ça. Je vais t'emmener chez eux. Remercions Dieu vraiment. Obina a finalement retrouvé sa mémoire. Vraiment. Il s'est souvenu de tout ce qui les concerne. Sa famille et son origine. Oh oui, tu as raison, mais c'est juste que... Il va beaucoup nous manquer maintenant qu'il est en train de partir. Il va vraiment nous manquer. Je souhaite qu'il reste encore un peu avec nous. Hein? 2 ou 3 jours. Oh oui, il va vraiment nous manquer. Je suis prêt pour partir. Wow. Obina. Obina. Mmh. Honnêtement, je veux vous apprécier pour ce que vous m'avez fait. Vous m'avez pris de nulle part et vous m'avez rendu propre. Et vous m'avez traité comme votre fils. Oh, je suis reconnaissant. Merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas que des gens comme vous existent encore. Merci, monsieur. Merci, madame. Obina. Merci beaucoup. Bien, Obina.
tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Mais laisse-moi te dire, n'oublie pas de toujours revenir ici. Ça, c'est maintenant ta seconde maison. Merci. Merci, monsieur. Je t'en prie. Oh, merci, bien, monsieur. Arrête avec le monsieur. Appelle-lui ton père et moi ta mère. Parce que nous sommes devenus maintenant ta tes famille. Parents. Merci, maman et papa. Je suis content. Définitivement, je reviendrai parce que voici ma seconde maison. Oh, s'il te plaît, reviens. On va t'attendre. N'oublie pas tout ce qu'on a partagé. S'il te plaît, j'aimerais que tu saches que je t'aime. Je t'aime aussi. Et je reviendrai. Ok? Tu sais, je dois aller voir ma famille. Et le fait de les voir augmentera notre joie. Ok? Je reviendrai pour toi. Je reviendrai, ok? Ifim. Allez, c'est bon. Il peut partir maintenant, hein? C'est bon. Le temps presse. Il doit partir avant qu'il ne soit tard. Je pars l'accompagner. Oui, c'est d'accord. Quelque part. Hein? Obi, allez, viens. Viens me faire un câlin. Bonne route, hein? Ok? Merci, maman. Mes salutations à ta famille, hein? Obina. Papa. Je te souhaite le meilleur du merci. Monde. Merci. Écoute, prends bien soin de toi. Merci, papa. Mm-hmm. Salut ta famille de ma part. D'accord. Bonne route, hein? Obi, fais-moi tu mon fils. Laisse-moi t'embrasser, bébé. Fais-le quelques pas, non? Bien sûr que je le fais. Si je te laisse, tu vas me suivre jusqu'à ma maison. Bye. Ah, chérie. Ah, ça commence déjà à me faire des soucis. Il est parti. Il ne restera pas avec nous pour toujours. Je me suis bien amusé. Oh oui, moi aussi. Je souhaite que ça continue. Mais pouvons-nous le faire demain? Ah, docteur, je ne saurais pas sortir comme ça tout le jour. Mais on peut le faire après-demain. Ouais, d'accord. Après-demain, c'est mieux. D'accord. Ouais, tu as aussi raison parce qu'il ne faut pas que tu sortes à ces moments, ok? Après-demain, me va bien. Ok. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Viens là. Je t'aime. Je t'aime aussi. Très bien. Au revoir. Laisse-moi me dépêcher, je sais que je n'ai pas bien parqué. Ok. Avant qu'on ne griffe ma voiture. Bye. Timzy, je suis là. Que j'ai appelé maman. Maman, oh. Maman. Ma clé, non? Où es-tu? Maman, Timzy. Hey. Maman. Ok, je vais vérifier si vois. Si je peux trouver la clé ici. Ouais. Ah, ah. Pasteur Bévy, comment retrouver chez lui? Eh, ok. Que j'aille chez le pasteur. Peut-être ils seront là-bas. Hé! Hey. Pasteur! Oui, c'est moi. D'accord. Obina. Pasteur. Oh, Jésus-Christ. Je suis c'est surpris moi, de te c'est voir. Moi.
Que s'est-il passé? Tu as eu un accident et on nous a dit que tu étais déjà mort. Pasteur, comme vous le voyez, je suis en vie. La mort m'a fait grâce. Mon frère, c'est par la grâce de Dieu. Oui, appelons ça juste la grâce de Dieu. Ok, pasteur. Disons que Dieu m'a accordé la seconde chance. Et aujourd'hui, je suis en vie. Exactement. Qu'en est-il de mon père, ma mère et ma sœur Chi? Tu sais, Obina, tes deux parents ne sont plus. Oh. Elle était sortie. Elle était partie oncle. Faire une recherche sur les deux. Oncle Chiedu. Anti. Oncle Chiedu. Ocheto. Oncle Chiedu. Ocheto. Hein? Pourquoi courez-vous? Calmez-vous. N'est-ce pas Obina qui était mort? Ocheto, revenez. Hein? Oncle, je suis en vie. Je ne suis pas mort. Je suis en vie. Obina est en vie. Je suis en vie. Je ne suis pas mort. C'est vraiment Obina. Touchez-moi. Touchez-moi. Pasteur, vous êtes sûr? Venez le toucher. Je suis en vie. Obina, bienvenue. Comment tu vas? Le résultat des produits. Ouais. Merci Obina. Il est en vie. Ouais. Dieu merci. Ouais, Tivzi. Ma sœur. Elle est à l'hôpital. À l'hôpital familial. Elle est partie à l'hôpital, oui. Elle ne va pas bien? Elle est partie voir le docteur. Ok, pasteur, vous connaissez l'endroit? Bien okay. sûr. Cette valise va rester ici. Attends, attends, attends. Je crois que tu devrais te reposer. Non, 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 non. Allons-y voir ma sœur. À l'hôpital familial. Ma valise est là-bas. Obina est en vie. Obina est en vie, c'est du trouble. Que Dieu soit loué. Dieu merci, il est en vie. Comment est-ce que je vais... Dieu merci. Comment est-ce qu'il va le prendre? Dieu merci. Parce qu'à présent, Chizzy a son frère. Obina. Pasteur. Ce que je veux te dire ici va t'affecter. Mais je veux que tu sois un homme. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être fort. Tu sais, la vie ne se présente toujours pas de la manière dont nous la planifions. Ochendo, ici présent. Hein? Ochendo, ici présent, a enceinté ta sœur. Non, pasteur. Comme je te l'ai dit, je ne comprends pas. S'il te plaît, assieds-toi. Non, je ne vous comprends pas. Je vais l'épouser au cas où. Et il dit même qu'il va l'épouser. Il a le courage de dire ça devant moi. Je vais l'épouser. Obina, qu'est-ce que tu as fait? Chizzy. 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 Hey, Seigneur. Chizzy. Ma seule sœur. Pasteur, trouvez une solution. Trouvez une solution. Jésus. Hey. Jésus, ma seule sœur, ma seule famille. Jésus. Hey. Jésus. Hey. Hein? Lève-toi. Hein? Infirmière, rassurez-vous de nettoyer toutes ces histoires, ok? Ok, monsieur. D'accord. Mettez la sous perfusion. Ok? Ok. D'accord.
Franchement, ils doivent faire de leur mieux pour que ma sœur s'en sorte. Hé, docteur, comment va ma sœur? Elle va bien maintenant. Mais elle a un petit problème. Nous avons perdu le bébé. Le bébé? Mais est-ce que je peux voir ma sœur? Bien sûr, vous pouvez la voir. Infirmière, passez-moi sa fiche. Infirmière, comment va-t-elle? Elle va mieux. D'accord. Vous voyez ça? Je vais rendre compte à Uchedu. Pasteur, je vais rendre compte à Uchedu. Uchedu a eu l'audace de violer ma sœur. Ne vous inquiétez pas, je vais le mettre derrière les barreaux. Obina, calme-toi. Nous devons remercier Dieu parce que Tizi est encore en vie. Remercions Dieu bien que nous ayons perdu le bébé. Uchendo est vraiment méchant. Il est vraiment très méchant. Mais je dois tout de même te dire que tu dois pardonner à Uchendo. Tu dois vraiment lui pardonner. Beaucoup de choses se sont passées dans cette famille. T'en as pas idée. Il était tombé malade. Ensuite, son fils qui était à l'école avait rejoint l'occultisme. C'était ça l'objet de ses souffrances. Nous devons tout laisser entre les mains de Dieu. Ok? Pasteur, vous dites que je dois prier pour Uchendo. Tu dois prier pour lui et continuer à le faire, toujours. Pasteur, même si Uchendo meurt, je vais le traduire devant la cour et je vais le mettre en prison. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est votre manière de voir les choses, hein, et non nous les autres. Nous devons remercier Dieu. Il est bon et amour. Thank you.
Pasteur. Waouh! Bonjour, Sœur Ifunaye. Comment vas-tu? Ça va. Je suis ravi de te voir aujourd'hui. Hier, tu m'as téléphoné. Et quand tu m'as appelé, tu m'as donné un sujet de prière. Tu m'as dit qu'il y a quelqu'un avec qui tu voulais te marier. Et hier, quand j'ai prié la nuit, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et j'ai vu une alliance diabolique qui émane de la source de cet homme que ses arrière-grands-pères ont fait. Je ne sais pas si tu as appris quelque chose concernant ça. Ah, pasteur, je ne sais rien à propos. C'est juste que j'avais remarqué que le problème ne faisait que se succéder dans sa vie. Et je m'étais dit que ce n'était pas normal. J'ai suspecté que c'était spirituel. Donc maintenant que vous avez confirmé mes pensées, je crois que vous avez raison. Je n'en sais absolument rien. Écoute, il est absolument important que je le voie. Et cette alliance démoniaque pourra être brisé par la prière. C'est extrêmement important. Alors je veux que tu lui dises que je vais le voir. D'accord. Je lui demanderai de venir avec moi demain. Oh, ok. Très bien alors. Puis-je prier pour toi? Oui, pasteur. Ok, s'il te plaît. Mets-toi à genoux. Laisse-moi prier pour toi. Père... Jésus. Pasteur. Pas étonnant. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Frère Obina, honnêtement, c'est Dieu qui a envoyé votre famille ici pour que vous soyez sauvés et délivrés. Amen, pasteur. Car la Bible déclare dans Ésaïe 49, verset 24, elle dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? La Bible dit, je combattrai ceux qui te combattent et je sauverai tes fils. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit qu'en mentionnant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 21, les Écritures disent qu'il y a certaines circonstances qui ne demandent pas seulement les prières, et ça demande aussi le jeûne. Alors nous allons monter sur la colline de Dieu pour savoir comment nous débarrasser de cette alliance démoniaque qui est en train de vous combattre et qui vient de vos ancêtres. Elle combat votre mariage et votre vie. Alors je veux que vous vous prépariez. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Oui, je suis prêt. Oui. Frère Obina, vous êtes prêt? Je suis préparé, pasteur. Oui, pasteur. Demain très tôt le matin, nous irons à la colline pour prier afin de briser cette alliance démoniaque dans votre famille. Mettez-vous à genoux et prions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Je vous accueille à la montagne de prière. Comme ma fille, je vous accueille et le Seigneur nous a déjà montré et ordonné certaines choses. Je veux que vous compreniez où vous êtes, car celui qui monte dans un endroit secret très haut sera sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons commencer par des cantiques, parce que nous allons détruire l'alliance et les accords qui vous dérangeaient. Je veux que vous acclamiez en chantant. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name.
Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier sur cette montagne. Dans le livre de Psaume 24, verset 7, la Bible dit « Élevez vos linteaux, élevez-vous ». Nous allons ordonner à toute alliance ou tout accord qui est en train de combattre votre famille. Vous allez répéter après moi. Mon père, mon père. Mon père, père, mon père. À l'heure où je prie. À l'heure où je prie. Chaque porte éternelle. Chaque porte éternelle. Étayant mes fondations. Étayant mes fondations. Soit détruite par le feu. Soit détruite par le feu. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu tout puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh je prie. Oh Seigneur Jésus. Qu'elles soient détruites par ton feu. Détruis-les par ton feu. Détruis-les par ton feu, Seigneur Jésus. Qu'elles soient détruites par le feu. Qu'elles soient détruites par le feu. Seigneur, je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi pour que tout soit rétabli dans ma vie. Agis. Agis, Seigneur. Détruis-les par ton feu. Détruis-les par ton feu. Détruis-les. Nous passons à la seconde étape de notre prière. La Bible dit que les anges déchus ont été jetés dans la mer. Tu vas prier que tout homme qui est à la base de ce problème, que toute femme qui est à la base de ce problème, qu'il tombe par le fait, dis après moi, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. À l'heure où je prie, à l'heure où je prie, tout homme, que tout homme en charge de cette, alliance, soit détruit par le feu. Ouvre ta bouche, tout homme en charge de cette alliance, soit détruit par le feu, Seigneur. Seigneur, qu'il soit détruit par le feu. Seigneur Jésus, agis. Oh, agis, Seigneur, que cet homme soit détruit. Qu'il soit détruit par ton feu. Oh, agis, Seigneur. Qu'il soit détruit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous en sommes à la troisième partie. Tout accord ou alliance lié avec votre famille qui vous combattent, disons que vous n'allez pas progresser. La Bible nous dit que les anges déchus ont été jetés dans la mer. C'est ça. Répétez après moi. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Dites mon père, mon combattant. Mon père, mon combattant. Chaque alliance, qui fonctionne contre nous, soit détruite par le feu. Ouvre ta bouche et prie. Chaque alliance qui fonctionne contre nous, qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite, Seigneur. Qu'elle soit détruite. Chaque alliance qui fonctionne contre nous, qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Seigneur, agis. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle. Agis. Agis. Qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Seigneur, agis. Agir, qu'elle soit détruite. Chaque alliance qui fonctionne contre nous, qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Qu'elle soit brûlée. Nimbago Santarababa. Oh ma Shinto Shiga. Oh ma Gondo Santarababa. Toi qui bloques cette famille, je te prie au nom de Jésus. Toi qui combats cette famille. Toi qui combats leur vie. Toi la fondation. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie. Je te brise par le feu. Au nom de Jésus-Christ, où que tu proviennes, je décrète et déclare que sur cette famille, tu n'as aucun pouvoir. Le sang de Jésus est contre toi. Le feu de Dieu est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Où que tu proviennes, quoi que tu représentes, je te détruis. Je te donne l'ordre de brûler par le feu. Le feu du Tout-Puissant brûle par le feu de Dieu. Brûle par le feu de Dieu. Brûle par le feu de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir délivré cette famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alors, qu'elle soit détruite par le feu. Louez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu quelque chose. Merci, Dieu a produit un miracle dans votre famille. Merci Jésus. Car quelque chose vient de se produire. Amen. Alors nous allons dire merci à Dieu. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful. How wonderful is your name. Oh Lord, how wonderful. How wonderful is your name. How wonderful. How wonderful is your name. How wonderful. How wonderful is your name. Oh Lord. Je
veux que vous sachiez que quelque chose vient de se produire. Amen. Cette alliance a été détruite. Alléluia. Ma sœur, tu comprends, cette alliance dans votre famille, le Seigneur l'a détruite. Merci. Alors Jésus. Je prophétise Merci, sur Jésus. Votre destinée et votre Jésus. Vie. Ma sœur, agenouille-toi avec Merci, ton frère. Jésus. Je dois déclarer Merci, une chose. Jésus. Quelque chose de grand se produit. Jésus. Merci l'Esprit Merci, de Dieu. Jésus. Le Seigneur m'a dit de vous dire à vous deux que l'alliance et l'accord sur votre vie ont été détruits. Amen. Alors soyez prêts pour la célébration. Amen. Soyez donc prêts à vous réjouir. Amen. Ce dont vous êtes à la recherche, la célébration que vous cherchez, Amen. Le mariage que vous cherchez Amen. A été libéré. Amen. Prenez-les par le fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For your goodness, we say thank you. Oh, thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Merci, Merci Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Car tout celui qui devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Votre famille est nouvelle. Amen. Toutes mes félicitations. Merci, que Dieu te bénisse, ma Merci. Soeur. Merci. Que Dieu te bénisse, Merci, mon pasteur. Frère. Obina, comment peux-tu? Comment peux-tu être si méchant? Hein? Obina, après tout ce que nous avons fait pour toi. Obina, après tout ce que nous avons fait, pourquoi? Chérie, apaise-toi. Calme-toi. Allez, ne me demande pas de me calmer. Non. Obina, tu es méchant. Obina, ça c'est de la méchanceté. Allez, donne-moi toutes les explications maintenant. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Chérie. Demande-lui. Demande-lui de te dire ce problème. Calme-toi. Calme-toi, chérie. Oh, écoutons-le. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me calmer, hein? Je dois me tu calmer. Tu m'as pris ça. La meilleure okay. partie de ma vie. Et je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, veux-tu m'épouser? Maman. Oui, sois ma moitié. Dis juste oui. Oui. Oui, j'accepte. Wow. Voici ma seule sœur et mes proches. Bienvenue, maman. Allez, fais-moi un câlin. Vraiment, papa. Tu es la bienvenue. Toi également. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes tous le bienvenu. Merci, maman. Maman. Merci beaucoup, Obina. Mon cher tous papa, merci beaucoup. Fais bisous à maman. Ouais. Tu vas être chaud, hein? Elle est sérieuse. On a apporté quelque chose pour la célébration. Oui. Au nom de l'amour, je vais faire sauter les bouchons de ce champagne. Saute ça, s'il te plaît. Ok. Allez, attendez un instant. Ça va bientôt sauter.